Bon, on va amener toute la viande. On va fermer ici pour le moment. On va mettre un truc comme ça en plus. Parce qu'elle me fait des bellules là. Je vais. Qu'est-ce que t'es tenu? Le pemmican, tu vas me le mettre ici. L'autre, j'ai choisi le meilleur endroit qui pouvait. Aïe, la place partout, j'aime taper ça là-dedans. Bon, c'est toujours à trouver. Ok, Grizzly. Allez. Dis-moi ça, mon petit. Alors là, j'ai quoi? Un mur en ardoise, un mur en ardoise, un mur en ardoise, un mur en ardoise. Ok, il en manquera un ici, mais c'est pas plus grave que ça. All right. Bon, on va voir si on tient avec. Ensuite, on va. Eh bien, on va ouvrir un petit peu les vannes ici. Parce que je crains qu'avec mes 393, on va pas aller très loin. Et donc, on va. On va ouvrir un petit peu tout ceci. La quête, oui, je pense pas qu'on va avoir le temps de faire ça maintenant. Adieu. Adieu, petite quête. Quelle vache est revenue parmi nous? J'ai besoin que tu me redescendes. Vache. Pour le moment, ça ne doit pas être une très bonne idée de récolter. Qui est-ce qui peut récolter maintenant? Je pense que
Attends, on va regarder. La récolte, toi, non. Grise dit oui. La récolte. Qui est-ce qui peut le faire? Dan et Grizzly. Dan. Mettre en travail. Dan. Tu peux récolter. Ça, c'est une bonne nouvelle. Bon, j'ai plus besoin maintenant qu'on me... Non. J'ai fait encore une bêtise. Ouais, tout ça, je vais laisser comme ça. On va descendre en deux anarchistes. J'ai plus besoin qu'il me fasse du transport. Alors, au niveau... oui. D'ailleurs, tout le monde va me faire un peu plus de transport. Sauf ceux qui doivent travailler et me construire. Un, deux. Allô, tu fais quoi, toi? Allô, tu es bon en... Tu vas faire ta cuisine, toi. Bon, on tient à moins 4. Moins 5, moins 6. Ok. Et là, on passe à moins 7. Est-ce qu'on va passer les moins 7? Je ne pense pas, mais... C'est pas mal. Bon, faut pas oublier, hein, c'est pas encore fini, hein, notre vague de chaleur, là. Ah, tu vois, ils viennent bouffer le pemmican, hein. Bon, on a l'air de tenir. Comment ça s'appelle, ceci? Zone de stockage 1. Hein. On va déjà la renommer Pemmican. Pour le moment. Hein, en attendant que ça soit autre chose. Et je veux que... Ceci. Aille mettre ça à Pemmican. Les plats raffinés. Donc ça va disparaître, hein, pour le moment, je le laisse là, mais il va disparaître. Et donc tâche, tu vas me mettre ça. Bon, au plat raffiné. Voilà. Je vais... Une fois qu'on a fini les champignons crus, on fera du lait. Bien. D'ailleurs, on va le faire tout de suite. On va demander de... me mettre du lait. On met un peu de lait, donc ça devrait se passer. Et ici, on peut mettre de la... un petit peu de viande, peut-être. On va tester ça.
et je ne veux plus personne ici. Ça. Donc toi tu peux aller me chercher la viande qui est là-bas, la ramener en bas, tu peux venir ici et déposer là-dedans, et tu peux pas venir ici pour le moment, mais on t'autorisera après. Quand l'été sera fini, quand la vague de chaleur sera finie, je pourrai rouvrir ceci, enfin, enlever ce truc-là. Et on pourra ressortir toute cette tout ce bidule qui traîne là encore. Je pense qu'on va faire comme ça. Bon, on est vraiment passé en limite. Qu'est-ce que tu fais, libellule ? Tu fais de la relaxation. Ah, on peut faire de la relaxation sociale en écoutant de la musique. Regardons un petit peu ça. Parce que, vous voyez, quand vous cliquez ici dessus, enfin, quand vous le déposez, un truc comme ceci, il y a tout un grand cadre blanc qui se place autour. Je ne sais pas encore ce que c'est, mais vous voyez, c'est également actif, les colons se rassembleront autour de cet objet. Ah, nice. Et donc, elle fait de la relaxation sociale. Et on va regarder ce qu'elle récupère pour le moment. Et on voit qu'elle récupère activité sociale. Et jeu d'adresse. Tiens, tiens. Ah non, ça diminue, jeu d'adresse, pardon. Donc son activité sociale monte à 37, tu vois. Et puis, elle sera ennuyée si elle continuera là-dedans. Donc on continue, hein. 4 heures, Jean, si tu allais dire bonjour à... Voilà, alors il me reste 11 heures et 24 heures. Ok. Repartir avec tout. Alors, voilà ce qu'on peut faire. Oui, je sais ce que je vais faire. Les plats raffinés, ils foutent le camp aussi. On va découper en petits morceaux, bien entendu. Du pemmican, j'en ai combien du pemmican? J'en ai 600. Mettons que j'en ai 700. Ça voudrait dire, allez, maximum 10 cases. 1, 2... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 cases. Donc on crée une nouvelle zone de stockage. Donc de 2, 4, 6, 7, 8, 1000 réserves, hein, ça. Ah, disons 9 cases. Ici dedans, je ne veux que... Que le pemmican. All right. Ça, c'est un. Ensuite, ici il me faudra
Pour voir si il prend en compte, ouais, il prend en compte les majuscules. Donc là, on a Pemican. On va maintenant supprimer une zone. On va supprimer ici. Et on va lui dire ici une plus grande zone. Tout ceci, c'est déjà pas mal, hein, 2, 3, 4. 7 fois 4, 28. 28, 37, 38, 39, presque 40. On va d'ailleurs, on va l'augmenter un tout petit peu encore. Voilà, on va faire ceci. Et je t'agrandis. Tout ça, ça va être pour la viande. Voilà. Ça, c'est pour la viande. On va appeler ça viande. Ça, c'est toutes nos viandes. Ensuite, ici, on va avoir... Ici, nous allons donc nous mettre un frigo bien froid, ceci. Donc, je vais mettre ici à l'intérieur. On va oublier tout ça. On va tout garder ici dedans. Tout ce qui est pommes de terre, tous ces trucs-là. Et pas le pemmican. Voilà, on enlève le pemmican de là. La cuisinière électrique, pour le moment, elle va m'emballer tout ça ici. Dans pemmican. Et donc pour l'instant on laisse comme ceci. Donc ici je vais mettre le lait uniquement. Donc je ne veux pas de viande, je veux bien des végétaux, on va les garder pour le moment. On va garder les œufs là, et le lait. Et c'est tout. On va mettre tout ceci, on va le mettre de l'autre côté. Voilà. Si on met du foie, on le mettra ailleurs. Je pense que c'est pas trop mal comme ça. Ici, ça va être un donc. Ça va également être, mais pas des baies, des végétaux. On va plutôt dire ici que ça sera les pommes de terre. Du maïs, je n'ai pas. Tous ces trucs-là, je ne vais pas les garder là. Ça serait uniquement pour les patates qui viennent de dehors et le smoke leaf. Donc, pas de riz, que de la patate. Là, pour le moment, les champignons, les baies, enfin, ce qui viendrait de l'extérieur, quoi. Qui tomberait du camion, comme on dit. Pas de viande. Tout ça, je n'en veux pas. Par contre, je veux bien tout ce qui est ceci. Voilà, je pense qu'on a... Ouais. Et les cadavres. Ensuite, on va
virer ceci. Ah ouais. Donc ça, tu vas devoir aller où? Je vais te mettre avec le pemmican pour le moment. Pour le moment, hein. Ça, je vais pouvoir fermer ce frigo-là, qui consomme beaucoup d'énergie pour le moment. Les plats. Tu me prends les plats raffinés. Et donc, toi ici, ça va, elle va bouger, bien entendu, hein. C'est tout à fait logique. Ce qui veut dire que ceci disparaît. Et ici, ça disparaît aussi. Établi bouché en métal. Envoie ça vers viande. Va y arriver petit à petit. Ensuite, mes zones architectes. Retirer une zone autorisée de carnivore. Je ne veux plus que tu viennes ici. Ni dans pemmican, ni dans plat raffiné, ni dans viande. Ça, c'est viande, hein. Voilà. Par contre, les herbivores, ils peuvent venir dans viande. Les herbivores. Mais ils ne peuvent pas aller dans mon pemmican, ni dans les plats raffinés. Ah, il va quand même falloir que je. Je crois que ici, j'ai mis quoi ici? Ici, c'était. On avait droit aux végétaux. On va dire sauf la pomme de terre. On aurait que du riz. Ici. Mais il va falloir que je le coupe. On va le couper aussi. On va couper la zone. On va supprimer une partie de ceci. Je pense qu'avec ça, en lait, on est pas mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 fois 3, 18. 18 fois 75, ça me fait à peu près 1400. Et nous avons 1000 laits. Voilà, on va juste mettre du lait ici dedans. Je ne mets que le lait. Et tout ceci va devenir du riz, et uniquement du riz. Voilà, on renomme
Ok. Alors, n'importe qui. Les herbivores peuvent venir dans le lait, mais ils ne peuvent pas venir dans le riz. Herbivores. Tu ne peux pas venir ici. Herbivore, tu ne peux pas venir dans mon pemmican et tu ne peux pas venir dans mes plats raffinés. Tu peux aller dans la viande et tu peux aller dans le lait. Ça, c'est herbivore. Ensuite, carnivore, tu peux pas aller dans mon pemmican et mes plats raffinés. Tu ne peux pas aller dans les viandes, mais tu peux aller dans le lait et tu peux aller dans le riz. Et tu peux venir ici pour récolter le riz. Bien. Ensuite, vous allez ici, je n'aurai que du pemmican, donc personne ne peut venir ici. J'aurai du pemmican et mes smokeleaf, etc., malheureusement. Mais bon, j'en ai pas des tonnes du smokeleaf non plus, hein. Donc, je ne veux plus non plus que tu viennes ici dedans, puisqu'on a terminé avec ce frigo. Voilà. C'est pas trop mal. Je pense. Je pense qu'on devrait peut-être y arriver finalement. Alors, je veux bien entendu pas que tu dormes dans la porte, ni à l'intérieur de la porte. Voilà. Est-ce que donc herbivore est bien? Herbivore, il a ça, il a ça, et ça, c'est fini aussi. Mon ami Grizzly, tu fabriques du pemmican, hein? Mais tu viens d'abord transporter ça. Anarchiste, tu es parti transporter du pemmican, oui. D'équerre et le chauve, tu vas me transporter ça. Ensuite, on va maintenant pouvoir couper ces trucs-ci. Désactiver et désactiver. Il fait 81 degrés. Notre frigo, est-ce qu'il tient? Oui, il tient à moins 7, moins 6. Ce qui veut dire que c'est bien possible que il y en ait qui ne soient pas en haute. Haute. Haute, c'est pour le moment ils tiennent encore en haute, mais en tout cas notre frigo tient pour l'instant. Ici on tient à 26 degrés, on a aucun problème. Ceci est à 25, aucun problème. 21, on vient ici jusque 25, pendant qu'il fait 81 dehors. On pourrait refermer les portes, je pense. Ça sera plus intelligent pour être certain que ça ne se dissipe pas de trop. Ici 25 degrés, ok. À la limite, si on avait besoin, on pourrait même couper les 200 watts qui sont ici. Ici, je suis à 26, c'est trop, donc on va fermer la porte et on va fermer la porte, les autres portes également, pour que mon truc puisse tenir le coup. Ceci, par contre, est à 19 degrés, mais je vais dire qu'on s'en fout un petit peu, puisque là, du moment que c'est refroidi une fois de temps en temps, ça devrait être bon. Donc là, on a mis du lait et de la viande. Ça vient de loin, mais bon, tant pis, on va faire avec. Alors, il fait combien maintenant chez toi? 26, c'est trop 26, hein? Mais ça devrait diminuer.
pense, puisqu'on a fermé la porte. Bon, j'ai un colon inactif. Qui c'est qui est inactif? Mes cœurs, tu deviens. À fabriquer. Il n'y a plus de composants, déjà. J'ai 15 composants et j'ai deux comme ça. Alors, ça, c'est quoi? Auteur maker. Que passe, mes niños? Tu peux pas venir ici. Ah! Oh! Que dit? Que je suis. Je suis mauvais. si j'ai fait ça à toutes les portes, là, j'aurais l'air con. Non. Laisser de la viande là, mon ami, à l'eau, c'est une mauvaise idée. D'ailleurs, c'est Maker qui va me faire ça. Et même chose pour le lait qui traîne. Hein, je ne sais pas pourquoi il y a du lait qui traîne. À l'eau. Ouais, c'est quand j'ai fait mes changements de bidule, sans doute. Voilà. Voilà, Giro s'occupe de bouger le lait, vous avez vu? C'est bien. Bon, je pense qu'on a 85 degrés toujours. Donc ici c'est fermé. La température intérieure ici à 31 degrés est bonne. Et ouais, ici on sait rien. Il fait que 19 ici. C'est bien. 31 ça va. 23, 24 et 26. Est-ce que tu as eu un coup de chaleur pendant que tu dormais, mon ami? Non. 26, c'est la limite. Hein. C'est vraiment la limite. Au-delà de 26, vous prenez moins 4. Bon, c'est pas... Hein. Tu manges de la pâte. Je voudrais que tu me nettoies un petit peu tous ces trucs-là, s'il te plaît. Si ça ne te dérange pas. Hein. Bon, même si ça te dérange. De toute façon, j'en ai rien à cirer, mec. Un marchiste. Ah, ok. Viande a pourri dans le stockage. La viande qui était ici. D'accord, on va stopper celui-ci. Donc ce stockage-ci va pour le moment s'arrêter. On va juste prendre du lait. On va juste mettre du lait. Donc pour le moment, je vais tout effacer. Voilà. Pour l'instant. Un dromadaire étant ça. Ah oui, on en est où dans nos animaux? On va en buter quelques-uns. Ben, on va en buter une qui est à zéro en lait. Toi, par exemple, tu serais parfaite. Non, c'est un mec, ça. On va attendre qu'il y en ait une qui soit à zéro. Bon, mais je crois que... Ici, on est occupé de refaire plein de riz. Je pense que vache est peut-être guérie maintenant, complètement, ou pas. Agriculture, elle est. Risque d'échec de récolte, 99. Je pense qu'on peut la remettre maintenant en fermière. Voilà. Donc j'ai trois fermiers.
important en tout cas. Le transport me semble avoir été à peu près. Il est bon, le transport, je pense. On ne va plus avoir besoin de nettoyer maintenant. Je peux remettre le smoke cliff. Si jamais on a quelque chose à vendre, ça serait pas plus mal. Ok, on va relancer le smoke cliff. Non, pas celui-là. Ouais, les deux. Voilà. Je vais avoir besoin de relancer ceci. On va l'autoriser. Vérifions un petit peu. Ça, c'est peut-être un petit peu idiot de le laisser ouvert. Il sert à rien pour l'instant. Ici, tu es occupé de consommer ce que j'ai là. Ok. Il va me falloir des pièges par après. Oh, mais je dois encore en avoir quelques-uns, moi, des pièges, non ? Ouais. Ok. Alors, allô, pourquoi es-tu pas bien, toi ? N'es-tu pas bien ? Pourquoi n'es-tu pas bien ? Tu souffres et tu es piégé sous terre. Tu es encore malade, bien sûr. Donc, allô, dès que tu as terminé ceci, je vais t'envoyer porter ça. Ça déjà, tu seras un peu moins sous terre. Bon, on a terminé cette pièce-ci. Donc ça, c'est notre appât, mais il est encore un peu petit. Hein. Des appâts, il en faut plusieurs, normalement. Il en faut un ici, il en faudra un petit peu plus par ici aussi. Mais il faudra aussi penser au vaisseau spatial. Notre vaisseau spatial devra se positionner, à mon avis, ici dedans. On va un petit peu vite regarder les plafonds. Ouais. On va pouvoir tirer au moins des plafonds jusqu'ici. Et au moins jusqu'ici. Donc un vaisseau spatial là, je pense que... Bon, faut pas mal de place, hein, mais... On a pas trop mal. C'est pas trop mal, je crois. Je pense que ça va aller. Et puis on trouvera peut-être aussi une grande pièce ouverte quelque part. Hein. C'est tout à fait possible aussi. Ok. Donc, libellule, allô, maker. Tu peux aller aussi ici. Mais tu vas y aller. Je vais te remettre le médoc. Hein. Je veux plus que ça traîne à ce point-là. Ça devient. Voilà. Des herbes, j'en ai quand même un petit peu, je crois, ouais, au moins 17, oui. Donc, de la viande, on a tout ce qu'il nous faut, on a 13 composants, c'est plus beaucoup. Et on a 22 médicaments en tout. 85 smoke leaf. Au niveau de ça, on n'en a plus beaucoup non plus. Il va falloir en travailler. Mais je pense que ça va. Ok, tu me fais quoi maintenant, libellule, ma chérie? Tu vas manger. Ok, c'est bien pour moi. Vache, ma chérie. Tu tailles des blocs d'ardoise. Ben voilà. Tu as fini avec tes blocs d'ardoise, c'est parfait. Donc tu viens maintenant me soigner, monsieur. Allô, s'il te plaît. Ensuite, on va maintenant mettre en médical. Et maker, tu manges et puis tu viens ici.
Maintenant, c'est ta vache. Tu tiens comme ceci, ma chérie. Et tu viens soigner mes cartes. Alors, est-ce que Allo a été guéri ou pas? Pas encore. Mais t'as que 49% de traitement. Tu te fous de moi, vache. Vache médecine, qualité de traitement. C'est toi qui as la meilleure. 49 seulement, ma chérie. Bon, tu vas faire mieux avec mes cœurs, hein, j'espère. 57, c'est vraiment pas grand chose, hein, ma belle. C'est vraiment pas grand chose. Hein. On peut rien y faire, on va laisser comme ça. Vague de chaleur, elle est toujours là, notre vague de chaleur, après 3 jours. Bien, alors on va vérifier, nous avons un petit pépin, je crois, ici. Ouais, ça chute pas mal. Hein. Alors toi, effectivement, tu ne marcheras pas si je ne te mets pas un câble. Donc je vais juste mettre une petite copie là, voilà. Ah, ma mère est enceinte à nouveau. La vague de chaleur est finie. Bon. Allô, tu fais quoi? Je suppose que tu es parti te reposer. On va me faire ça, mon ami. Même si tu risques de le rater, je crois quand même pas que tu vas me rater un câble. Non, tu ne me rates pas le câble. La vague de chaleur est enfin finie, mes enfants. Anarchiste, que fais-tu, mon petit? Tu transportes le pemmican, ok. Et tu bouges un petit peu le reste, c'est très très bien. Et Grizzly, tu es reparti faire de la cuisine, ok. Bah, tu me fais du pemmican, c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Je vais avoir besoin maintenant que quelqu'un me refasse un petit peu de nettoyage. Et donc on va repasser ici en 3 pour donner à Anarchiste la possibilité de me refaire du nettoyage. On a encore quelques pièges à mettre. Bon, au niveau de la bouffe, 255 ici. Hein. Maker, es-tu soigné? Tu n'es pas soigné encore, c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Combien de temps ça va durer? Ça fait 8 jours qu'il a tes vers. Ça fait 8 jours qu'il a des vers. Eh ben, dis donc, c'est long. Ok, on peut continuer. Bon, mes animaux, je voudrais que vous alliez me chercher un petit peu de pierre, de la pierre blanche. Voilà. Pas tout ça, non. Mais disons, voilà. Prenons ça. Alors, nous avons Libellule qui est inactive.
Nous avons 99 et 202. On va lui autoriser à continuer ceci. Et j'ai quand même besoin aussi qu'elle me refasse des pièges. En ardoise. Allez, on est reparti avec des pièges en ardoise pour la petite demoiselle. Alors, 45, 90, 180, 225, enfin, soit quelque chose comme ça. Ouais, 125, on a juste ce qu'il faut. Alors, au niveau de la consommation électrique, là, je suis au maximum, donc je suis obligé de la couper avant que ça ne me casse la figure. Ah, l'autre est vraiment pas bien. Pourtant, tu fais un boulot qui te plaît bien. Dans le noir, ça va. Ah, bon, ok, on va remettre déjà des lumières. Parce que c'est un petit peu dangereux de laisser comme je l'ai fait là. On va construire une loose. Voilà, une lumière. Pour le moment, je laisse ça comme ça. Donc là, on a de nouveau terminé ceci. 68 degrés, ça pousse pas. De toute façon, mais on a passé la vague de chaleur, on a passé notre été. Bon, on n'est que le 5 juillet août, hein, il peut encore me remettre. S'il me mettait maintenant une vague de chaleur maintenant, je passerai à 91. Vous rajoutez 20 degrés, vague de chaleur. Et si vous regardez dans le monde, on va regarder comme ceci, je vais vous montrer un petit truc. Vous voyez ici, il est de 30 à 66. Ça veut dire que vous pouvez avoir une différence de 10 degrés entre les deux. C'est ça qu'il va avoir. Donc vous pouvez avoir le plus bas 20 degrés. Et s'il y aurait une vague de froid pendant que vous avez 20 degrés, vous pouvez descendre à 0. Par contre, vous pouvez normalement monter à 76 degrés en température normale. Plus 20 degrés dans le cas où vous avez une vague de chaleur. Donc si vous avez la vague de chaleur pendant qu'il fait 76 degrés, vous serez à 96 degrés. Donc je mélange le français et le belge là si vous voulez. Hein. Enfin, je crois que c'est comme ça, mais je suis à peu près certain que c'est comme ça. Vous voyez, suivant les endroits, il y a des autres endroits où, bon là on ne voit pas, hein, mais il y a des endroits, il peut peut-être faire, voilà, 68, là il fera encore plus chaud, là, pour aller jusqu'à 98 degrés, 99 degrés. Là, vous pouvez arriver à 100 degrés. Au-delà, vous n'arriverez pas, je crois qu'on n'arrive pas au-dessus de 100 degrés, donc c'est le maximum. Enfin, c'est pas mal déjà. Hein, on se voit qu'il nous a pas mis là, hein, le petit Zlan en crayon son truc. Regardez-moi la chaleur ici, quoi. Ah, 76 qu'il aurait fait. Avec un minimum de 50. Non, ça aurait été plus sympa. Ouais, il a quand même pas trop mal choisi l'endroit. Oups. On va stopper. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah oui, non, ça... Totalement, on s'en fout, totalement. J'avais pas quelque chose, mais ici, au fait. Non, on n'a rien, sinon on le verrait. On le verrait affiché sur le côté gauche de l'écran, puisque j'ai mis des zones partout, zones de stockage partout, qui acceptent tout, normalement. Sauf, oui, sauf que ça ne...
ça ne vous montre pas les morceaux et les cadavres. Hein. Mais enfin, à part ça, vous avez la possibilité comme ça de savoir directement sur la bouche ce qu'il y a. Et il n'y a pas besoin de chaque fois faire comme Slan à entourer à chaque coup. Bon. Une capsule de cargo qui arrive là-bas. C'est bien. C'est quoi? Des œufs? Des œufs d'oie non fécondés. Bon, ben, ok, on va ramener ça. Hein. Les œufs, ça va où? Les œufs, ça devrait aller. Où ça? Dans le lait? Les œufs. Oh, là j'ai un P. Qu'est-ce que j'ai foutu? Très très mal joué là. Alors, ça, non, pas de plat. Là, c'est les viandes. Donc, je ne veux pas de végétaux. Et pas de produits animaliers non plus. Tout ça, on s'en fout. Mais en tout cas, je ne veux pas de pemmican, ça c'est sûr. Qu'est-ce que j'ai foutu là? Ben dis donc. Il va venir me foutre des armes et tout là-dedans. Il n'y a plus de place pour le pemmican des enfants. Stop, 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 stop. Ici. Ici. Vous voyez, j'ai 23 sur 20. Arrêt. Apporté à Pemmican. Non, c'est pas recherché. Vous voyez, c'est pourtant recherché partout. Je sais pas pourquoi il m'en met 23. Donc je n'ai plus de place pour le pemmican. Donc je vais lui dire de me faire du pemmican jusqu'au moment où j'en ai ici 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pourquoi j'ai que 6? Ok, c'est pas assez 6. Deux, puisque j'en ai 4 en plus. Il m'en faut 10. On va un petit peu modifier les zones. On va supprimer 1, 2. On va faire comme ça, on va supprimer ça, voilà. Et on va dire ici que nous voulons augmenter notre zone. Voilà. Alors, je peux encore en mettre combien? Donc là, j'ai mes trucs pour les plats, je ne peux pas aller plus. Donc j'ai 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Donc 750, 825 au maximum. D'accord? 825. Donc on va lui dire d'arrêter à 775. Je veux bien que tu en dises jusque 775. Puisque j'en fais par 50. Donc 825, voilà, 775. Apporté à Pemmican. Et je veux que tu recherches ça dans Pemmican. Non, tu vas rechercher partout. Parce que s'il y en a qui se promènent un peu quelque part, ben on le saura comme ça. Alors, on va pas faire arrêt quand satisfait, on va faire... Tu recommenceras quand tu en as moins 100. Mettons à 675, voilà. Là, pourquoi j'en ai 3 en trop? Je sais jamais pourquoi j'en ai 3 en trop, mais c'est pas grave. Alright, on vérifie nos animaux.
Toi, on va te... Alors, oui, j'avais dit le lait, ben, toi, on va te buter. Toi qui as le moins de lait, on te bute. Donc là, il me reste 11. Ok, il est bien nul. Oh, ils sont pas encore guéris. Un dromadaire est enceinte. Dis-moi que c'est pas numéro 2. Un dromadaire est enceinte. Voilà, 9 jours. Ça apparaît après 9 jours. Hein. Donc, il faut. Normalement, tout le monde est enceinte. Hein. Faut pas rêver, quoi. Toutes les femelles, normalement, doivent être enceintes. Il n'y a qu'une journée, je pense, en tout et pour tout, qui se passe sans que une femelle ne soit pas enceinte. Si, bien entendu, vous laissez les animaux copuler ensemble. Hein. Si vous en mettez un à un bout de la salle, de la map, et l'autre à l'autre bout, ils ne pourront pas faire. Ça ne pourra jamais marcher, quoi. Bon, Libellule, maintenant tu vas pouvoir. On va pouvoir amener des trucs là-bas. Donc, on va réinstaller ceci. Ici. Donc, on va demander à Libellule, quand elle aura fini, de venir prioriser ça et prioriser ça. Et on va la mettre en planning out. Libellule, je te mets tout. Et je souhaite également qu'il y ait quelqu'un d'autre qui aille avec toi, comme par exemple... Disons un autre constructeur qui pourrait venir avec toi. Donc, nous avons la construction qui se trouve ici. On est pas mal en construction, vache, maker, libellule, grizzly. Mais on a également Dan qui pourra aller porter les choses. Donc on va également mettre Dan dehors. Je vais mettre Dan qui va aller. Le problème de Dan, c'est que si je le mets dehors, il va également transporter. Parce que j'ai pas envie qu'il transporte. Enfin bon, ils pourront le faire quand même, c'est pas grave. Allez. Il reste pas grand chose à ramener. Au niveau de la pierre, ben on doit avoir quelqu'un qui est en face, je pense. Bon, mes enfants, maintenant il fait bon hein, dans vos chambres. On va regarder les portes ouvertes, puisqu'on va bientôt revenir en hiver, je vais dire.